Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, comme vous avez vu, un haul action. Voilà, j'ai regardé les vidéos des copines et il a fallu que j'y cours. Mais bon, je suis déçue parce que moi j'ai pas eu les mêmes choses, enfin j'ai pas tout eu. Voilà, bon, regardez pas ma tête. Je suis comme un épouvantail aujourd'hui. J'ai pas mal. Ce matin, j'ai dû aller à un contrôle de sécu. On était pas mal en route. En plus, il fait un temps pourri aujourd'hui dans le nord. Le vent, la pluie, donc pas maquillée. La coiffure est partie en live. Donc ça va. Mais mon contrôle de sécu s'est super bien passé. Voilà, je vous expliquerai une autre fois, mais ça va, très bien. Donc, c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer donc ce que j'ai trouvé. Alors, d'abord, si je trouve mon ticket de caisse, voilà. Si je trouve mon ticket de caisse, voilà, et on va essayer de vous donner les prix au mieux. Donc voilà, j'ai pris des paquets de serviettes en papier, bon, qui vont me servir pour la maison, hein, à table, mais qui vont me servir aussi en serviettage. En ce moment, je fais du serviettage pour mes marchés de Noël. Donc j'ai pris celle-ci, que je trouvais super belle, avec les bâtons de cannelle. Voilà, donc il y en a, je sais pas, je sais même pas combien il y en a dedans. Il y en a 20, voilà. Donc moi je vais m'en servir de une ou deux. Le reste ira pour la table. Et celle-ci, voilà, qui fait un peu plus Noël. Donc ça, les paquets, c'est 99 centimes. Donc ça va, hein, on peut s'en servir. Ensuite, j'essaie de prendre au fur et à mesure que je vois sur mon ticket de caisse, comme ça. Et j'aurais dû préparer avant. Mais j'ai pas trop le temps, donc voilà. C'est pas cela, bien sûr. Allez, voilà. Alors, normalement, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je ne sais pas combien il y en a exactement. Mais je suis déjà super contente d'avoir trouvé cela. C'est les nouveaux dyes d'Action. Mais bon, je les trouve un peu chers. Hein. Ils sont à 3,39€ pièce. Mais bon. C'est autre chose que les dyes qu'ils nous mettaient avant quand même. Donc, je les trouve un peu chers pour du action. Voilà. Mais bon. Mais là, ils font des efforts hein, chez Action. Ils commencent à faire des efforts. Donc, voilà. Le premier. Donc, un ananas, un palmier, une feuille, je ne sais plus comment on appelle cet arbre-là. Et là, c'est Choose Happy. Voilà. Donc, ça fera ça. Donc, le premier. Alors, celui-ci qui fait 10-15. Voilà. Un complet, vous voyez. Quand je vous dis qu'ils font des efforts chez Action. Voilà. Donc, ça fera ça, hein, le dessin. Je ferai des essais et je vous montrerai ce que ça donne. Là, aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de vous faire des essais, mais je vous ferai ça dès que je peux. Là, bien sûr, il y a des papillons. Donc ça, j'aime. Les papillons, les fleurs, une feuille. Donc, à la découpe, ça donne ça. Ici, une maison, une clé, un cœur, un autre cœur. Là,
truc de porte-clés. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne à la découpe. Et ici, alors c'est un Happy Birthday. Voilà, je le mets dans ce sens-là pour que vous voyez. Avec un ballon, là. Et un petit cupcake. Alors, je sais que le Happy se découpe, mais les lettres se découpent une par une. Enfin, je veux dire, elles ne restent pas attachées. Le Birthday, oui. Lui, et, les lettres restent attachées. Mais le Happy, non. Parce que ça, je l'ai vu dans une vidéo. Mais vraiment, là, c'est génial. Hein. Donc, voilà. Là, c'est les seules que j'ai trouvées. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Mais c'est les seules que j'ai trouvées pour l'instant. Donc, ceux-là, ils sont à 3,39 €. Ensuite, oui, j'ai trouvé celui qui me manquait l'autre jour. Je l'ai mis. Voilà. Les feuilles autocollantes, vous vous rappelez, qu'on peut passer à la Big Shot. Donc, il me manquait celui-là pour faire les étiquettes ardoises noires. Donc, je l'ai trouvé. Donc, du coup, je l'ai. Donc, ben, du coup, j'ai la série complète maintenant. Voilà. Donc là, il y en a 12 dedans. Et c'est bien, on peut écrire à la craie dessus ou au Posca blanc, pourquoi pas. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir trouvé. Ensuite, alors les pochoirs, alors, est-ce que c'est ceux-là? Là, il y en a combien? 4, donc ça doit être ceux-là, oui. Donc, je pense que c'est des nouveaux, je ne sais plus. Alors, je suis déçue parce que bon, ils ont fait des nouveaux pochoirs avec des découpes, enfin des dies. Le pochoir est fait avec un dies aussi. Et ça, ils en avaient reçu hier et ils sont partis. Je suis dégoûtée. Ils sont partis jour même. Mais bon, j'espère qu'ils vont recevoir. Parce que là, ils sont magnifiques. Hein, les classeurs d'embossage avec la possibilité de découper en même temps. Oh, je les ai vus dans les vidéos. Ils sont comme ça. Et là, ils étaient tous partis déjà. Je suis dégoûtée. Mais bon. Donc là, j'ai les classeurs d'embossage simples. Donc celui-là, c'est celui qui fait les petites bannières. Voilà, comme ça. Là, les petits points. Hein, tout simple. Donc, comme ça. Là, j'en avais déjà un avec des petits points, mais pas les mêmes. Celui-là, qui fait des feuilles. Voilà. Mais je ferai des essais, hein, tout ça, pour vous montrer. Et le quatrième que j'ai eu, voilà. C'est un peu des fleurs. Voilà, voilà ce que ça va faire. Donc, ceux-là, je les ai eus à 86 centimes. Et là, j'en ai un autre, mais il me l'a fait passer où, celui-là? Il doit être au même prix, je pense. Il me l'a fait passer où? Là, là. 86 centimes aussi. Voilà. Celui-là. Alors, là, il y a 5 modèles. Voilà, vous voyez. Mais je n'ai pas les autres. Je verrai un petit peu à la fois s'ils les ont. Donc voilà. Mais celui-là est très joli, avec des arabesques, un cœur. Bon, voilà. Alors, j'en étais ici. J'essaie d'aller au fur et à mesure. Bon, j'ai repris des paquets de... Parce qu'en ce moment, ben, j'en fais beaucoup. De cartes avec les enveloppes. Donc là, c'est des nacrés. On ne les voit pas bien là, là, sur la vidéo, mais... Donc ça, c'est pas cher du tout, c'est 67 centimes, hein. J'en ai pris 3 paquets, parce qu'en ce moment j'en use. Les aquarelles, celles-là je voulais les prendre l'autre jour, je ne les avais pas pris. C'est les aquarelles nacrées. Voilà.
Donc, je vais faire un essai. J'ai vu sur les vidéos qu'il y a des bons retours de ces aquarelles. Donc, elles sont nacrées. J'ai pas encore eu le temps hein, d'essayer les autres non plus, mais il faut que je m'y mette. Donc, les aquarelles nacrées, donc 21 couleurs, 1,59 €. Donc, ça va. Après, ah ben ça je l'ai laissé en bas parce que j'ai pris pour offrir à mon fils. C'est un petit chien, ben, sans doute un truc qui doit être grand comme ça. C'est un puzzle en bois à faire, voilà. Mais je l'ai laissé en bas. Désolée, je peux pas vous le montrer. C'était 99 centimes. J'ai vu qu'il y avait des lamas, il y avait différentes bêtes. Donc c'est une planche en bois et c'est prédécoupé et vous devez mettre les pièces l'une dans l'autre et à la fin ça vous fait l'animal, voilà, en 3D. Donc là j'ai pris le chien, c'est un bulldog pour mon fils puisqu'il a un chien comme ça. Des sachets, donc ça j'en ai pris plusieurs, voilà. Alors là c'est les nouveaux puisque le paquet n'est pas pareil. Je vais essayer parce que, alors je sais pas si vous avez remarqué pour celles qui font les cartes. On a des cartes avec les enveloppes qui rentrent dans les sachets. La carte, l'enveloppe rentre dans les sachets. Et on en a que l'enveloppe ne rentre pas dans les sachets. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc là, j'ai fait la remarque à la vendeuse tout à l'heure. Elle dit, ah bon? Je dis, bah oui. Et du coup, bah c'est vrai que ça m'embête, ça va m'embêter aussi même pour le marché de Noël parce que bon, je vais devoir mettre un trombone, ça va pas faire top, mais bon, pour pas oublier de donner l'enveloppe à la personne qui m'achètera la carte. Mais il y a alors je ne sais pas si c'est la taille du sachet qui diffère ou si c'est la taille de l'enveloppe qui diffère, mais j'ai des enveloppes qui ne rentrent pas dans les sachets. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez la même chose. Vous voyez, bon, là, donc ça c'est les anciens modèles. Donc là c'est le nouveau modèle. Et je regarde. Ça a l'air d'être kiff-kiff. Hein. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Bon, on verra. Et bon, est-ce que les nacrées, elles vous rentrent? Les nacrées, elles ont l'air de vouloir rentrer dans les sachets. Et les autres, non. Donc, c'est ça. Ils auraient dû faire les pochettes en 16 au lieu de les faire en 15. Il manque pas grand-chose, mais il manque quand même pour que ça rentre dedans. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt embêtant. Voilà. Alors, ça, c'est pas cher non plus, c'est 89 centimes. Donc, j'en ai pris deux parce que j'en ai besoin. J'en ai encore, mais bon, comme j'ai vu que c'était les nouveaux paquets, je vais essayer de les prendre pour voir si ça, ils vont mieux. J'ai pris aussi, du coup, un bloc aquarelle. Voilà. C'est un 300 grammes, hein, bah, de toute façon, pour l'aquarelle, hein, c'est ce qu'il faut. 1,79 €. C'est des feuilles à 4. On verra ce que ça donne. Bon, il est plus fin quand même que mon vrai bloc d'aquarelle que j'avais eu chez Cultura. Mais bon, on verra. Pour les cartes. Carton pochoir Noël. Paillettes. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. C'est comme ça qu'ils appellent ça, oui. À la 34, c'est ça. Alors, celui-là, je ne l'avais pas encore vu. Enfin, je ne l'avais pas pris. Voilà. À 35. Je vous montre. Les petits oiseaux. Il y a des plumes. Bon, pour Noël, les plumes. Encore des oiseaux? Bon, encore des oiseaux. Mais le fond, il n'est pas de la même couleur. Là, les petites feuilles. Bon, ça fait pas tellement Noël, hein, leur truc. Non. En fin de compte, il me plaît pas tant que ça pour Noël. Encore des oiseaux.
C'est quoi leur truc? Bof. Bon, je m'en servirai, hein, mais il y a encore des plumes. Bon. J'aurais mieux fait de mieux le regarder. Ouais, parce que, regardez, du coup, j'ai pas fait attention, vous voyez. Des oiseaux, des oiseaux, des oiseaux, des plumes, des plumes. Ouais, non. Bon. Voilà. Bon, on s'en servira, hein, mais il est pas top top pour Noël. Donc ça, c'est 1,89. J'ai pris, alors ça c'est pour mes décorations dans mes chalets. Donc je vais encore prendre d'autres choses, hein, mais c'est des chemins de table. Voilà, donc j'en ai pris un gris, irisé, et un blanc avec des petits pois gris argentés. Donc c'est des chemins de table. Ils font 2 mètres sur 28. Alors celui-là, il fait 2 mètres sur 28. Et celui-là, il fait 2,50 m sur 28. Tiens, je n'avais pas vu que ce n'était pas la même longueur. Mais bon, c'est rien. Alors, celui-là. Celui de 2 mètres. Ah ouais, en plus, c'est même pas le même prix. Celui de 2 mètres. Donc, celui-là, il fait 82 centimes. Et celui-là, il fait 1,29 €. Ah, j'avais pas vu, tiens. J'espère qu'il n'est pas en papier. Celui-là, j'ai un doute du coup. Là, c'est l'organza. Et là, j'ai un doute. Je me demande si c'est pas du papier. Parce qu'il marque pas organza dessus. Là, il marque. Ah ouais. Ouais, ben je crois que c'est du papier celui-ci. J'ai pas fait gaffe. Bon, pareil, hein, je trouverais bien à m'en servir. Alors, ils font la même largeur, mais ils sont pas. Hein, il manque 1 cm. Hein. Bon. Ensuite. Ouais, j'ai pris des mini ciseaux parce que j'ai perdu les miens. Voilà. Surtout que ça, c'est bien pour le. Comment? Pour découper les serviettes, pour faire le serviettage. Je ne retrouve pas les miens. Donc là, les petits ciseaux, c'est 68 centimes. Alors, les rubans. Ils ont sorti des nouveaux rubans. Enfin, ils ont dû les sortir depuis un moment. Hein. Et moi, je suis un peu déconnectée des nouveautés de Action en ce moment. Donc, ils sont tous à 94 centimes. Donc, voilà. Les argentés. Noël, hein, bien sûr. Les argentés, des blancs. Là, encore des argentés, des blancs. Et puis un peu de noir. Le paquet est plus grand, mais ils sont au même prix. Ici, des dorés, des argentés, des blancs et des rouges. Et là, il y a toutes les couleurs. Du noir, du multicolore, de l'argenté, du doré, du noir, du gris, du blanc. Il y a de tout. Voilà. Il n'y avait pas d'autre, de toute façon. J'ai pris. Alors, j'ai pris un paquet de crochets comme ça, parce que je vais en avoir besoin justement au marché de Noël pour accrocher tout ce que j'aurai accroché. Donc, ça, c'était pas beaucoup, 45 centimes, il y en a 50 dedans. Puis ça peut toujours servir. J'ai trouvé, alors ça, je ne les avais pas encore vus non plus, des tissus. Voilà. Donc, j'ai pris deux paquets pareils. Donc, je vais en ouvrir qu'un. C'est des carrés de tissu 50 sur 50. Donc, je vais en enlever un pour vous montrer. Voilà.
Donc, il y a un rose comme ça. Il y a plusieurs modèles, hein. Là, j'ai pris que les deux pareils. Celui-là. Oh, marchand de glace qui passe. C'est bien d'habiter en village, hein. Il y a le marchand de glace qui passe, il y a la boulangerie. Mais bon, en plein hiver, marchand de glace. Voilà, un gris plus foncé. Un rose comme ça. Et un. Ça doit être un peu. C'est bleu marine, ça. Ouais. Voilà. Donc j'ai pris les deux mêmes paquets. Parce que comme c'est du 50-50, moi, les mesures 50-50, ça ne me suffit jamais. Donc je préfère prendre deux fois la même chose. Et donc en tissu, c'est 1,92 € le paquet. Donc vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 5 coupons de 50 sur 50. Et pareil, il y a plusieurs couleurs. Donc 1,92 €. J'ai repris des aquabrushs pour mon aquarelle. Donc il y en a ben, deux. Hein. C'est 96 centimes. Ça, j'en ai déjà un, mais je préfère en avoir deux autres. Comme ça, quand je change de couleur, ça va plus vite. Et puis, alors j'ai trouvé, mais je ne les ai pas tous pris. J'ai pris les deux qui me plaisaient vraiment bien. Sur le moment, les sequins. Voilà. Donc j'ai pris les violets. Voilà. Il y en a qui font un peu bleu à la caméra, mais ils sont tous violets, hein. Voilà. Et j'ai pris les noirs et blancs et gris. C'est des couleurs que j'ai pas, donc j'ai déjà pas mal de sequins. Et donc j'ai déjà pris ces deux-là, je reverrai après peut-être. Et donc les sequins, c'est 79 centimes. Et j'ai repris, mais là, il me faut du rose, j'ai du mal à trouver du rose. Un rouleau d'organza rose, donc 59 centimes. Voilà. C'était le seul et il m'en faudrait d'autres, mais en plus rose et pas moyen d'en trouver. On verra. Donc voilà, c'était mes petites courses actions. Ça va? Oh, pardon, je suis fatiguée. Fatiguée. Je vais faire dodo. Mais là, je ne vais pas aller faire la sieste parce que cet après-midi, réunion de famille. On va parler pour le Noël, ce qu'on va faire. Donc là, j'attends mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants, et puis ses beaux-parents. Puis on va voir ce qu'on va faire pour Noël. Voilà. Et puis moi, je vais ranger tout ça. Et puis, il va falloir que je range ma pièce aussi, parce que oh, c'est un bordel, les filles. Mais un bon là, un bordel. Ah, je vous dis pas. Je vous dis pas. Mon Dieu. Comme on dit chez moi, une vache, elle ne retournerait pas sans veau. Je sais pas, je vais essayer un peu, mais je ne sais jamais remettre voilà. Alors attendez, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà, il y en a partout, partout, partout là-bas, vous voyez, sur le lit. Alors, ma table, n'en parlons pas, hein. Voilà ma table. Là, il y en a encore derrière moi. Je vous dis pas, c'est un boxon. Mais alors, inimaginable. Tout ça, là, c'est pour le marché de Noël. Le lit là-bas, c'est marché de Noël. Mon bureau, bah, c'est pour le marché de Noël. Hein, c'est. Attendez, je vous repose, hein, sinon vous allez avoir mal de mer. C'est le boxon. Puis bordel.
Bordel, bordel, bordel. Mais bon, on est toutes comme ça un peu, hein. Citez-moi une scrappeuse où il n'y a rien qui traîne quand elle travaille. Mais où il n'y a strictement rien qui traîne. Rien. Levez la main, celle qui fait ça, qui n'y a rien qui traîne quand elle bosse dans son atelier ou sur sa table. Je vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Bon, allez, je vais vous laisser, parce que là, je vais quand même ranger ce que j'ai acheté aujourd'hui, parce que sinon, je pourrais pas travailler. Et puis, je vais attendre mon fils qui arrive. Et ben, du coup, je bosserai ce soir. Ouais, parce que là, maintenant, on est quoi? On est quel jour? Mercredi, hein? Oui. Jeudi, mercredi. Je sais plus. Bon, enfin, il ne me reste plus beaucoup de jours, hein. C'est pas ce week-end-ci, mais c'est le week-end prochain, le marché de Noël. Donc, les jours vont aller vite, très très vite. Et j'ai encore 1, 2, 3. Là, j'ai encore 3. Aidez-moi. Oui, ne me regardez comme ça. Aidez-moi. 3 couronnes de Noël, voilà. C'est pas gentil, hein, vous m'avez pas aidé. Hein. 3 couronnes de Noël à faire, mais bon, je suis sûre que je vais encore aller en chercher pour en refaire. Je voudrais bien refaire une boîte ou deux. Les plateaux, j'en ai encore 1, 2, 3. Ouais, 3 à faire. J'en ai encore 3 à faire, le plateau. Et puis, je voudrais bien encore faire une vingtaine de cartes, si c'est possible. Si vous voyez les lutins passer, les filles, pouvez me les envoyer, les petits lutins. Envoyez-moi tous les petits lutins pour qu'ils viennent m'aider. Je veux des petits lutins. Ça y est, je pète un câble. Bon, allez, maintenant je vous laisse. Je vous fais plein, plein, plein. Plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. De toute façon, avant le marché de Noël, je vous ferai une vidéo diapo avec toutes les créations que j'aurai fait pour le marché de Noël. Et comme ça, bah, celles qui ne pourront pas venir bah, verront quand même tout ce que je vais mettre au marché de Noël. Et puis, de toute façon, le jour du marché de Noël, vous inquiétez pas, hein, je ferai une vidéo. Hein. Ouais, ouais, je ferai une vidéo de mon chalet et tout. De temps en temps, je ferai dans la journée, je ferai des vidéos aussi. Voilà, pour que vous me voyez. Allez, je vous laisse. Maintenant, c'est sûr et certain. Je vous dis bye bye. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. À bientôt.